Bonjour, alors je vais montrer comment je fais des fiches matières. Et pour ça, on va créer deux nouvelles fiches, ou plus, on verra bien. Et donc, ce seront les isométries. Donc là, je vais commencer par ma fiche isométrie. Donc, on va faire ajouter un document. Et alors, là, on voit déjà que j'utilise pas Word et je vais expliquer pourquoi. Mais je vais l'expliquer en faisant la fiche, c'est plus simple. Donc, on va ajouter un nouveau document. On va appeler ça isométrie. Voilà. Et je vais laisser comme ça. Donc, voilà. J'ai un document blanc. Alors, je vais copier simplement cette partie-ci, qui est le chapeau de ma fiche, où on a en fait simplement le titre, les fiches matières requises. Okay, donc j'ai pris celle-là et visiblement la matière n'est pas bien passée. Okay. Je recueille à chaque fois un E qui a été échoppé. Donc là, petite correction rapide. Donc là, j'ai fait des copier-coller et apparemment, dès le début, il y avait une faute, enfin une faute. Il manquait un E. Ouais. Donc là, je vais un truc coller. Alors, chaque fois, on a fiche matière requise, ce sont les fiches qu'il faut lire ou dont il faut prendre connaissance pour comprendre la fiche dans son entièreté, la fiche courante. Les fiches dépendantes, ben, ce sont les fiches qui sont dépendantes de celle-ci, c'est-à-dire les fiches qui ont besoin de cette fiche-ci pour être comprises. Donc, on va commencer par mettre le vrai titre ici. Isométrie. Voilà. Et on va commencer par une définition. Ce sera transformation du plan qui préserve les distances et les amplitudes des ordres. Voilà. Alors, dans les isométries, alors ici on va mettre isométrie, type d'isométrie, et là on aura là forcément on aura une liste qui sera pas ordonnée. On va mettre rotation, symétrie orthogonale ou axiale, symétrie centrale, voilà, et la classique translation ou glissement. Ah non, le glissement est tellement ancien, on va pas le mettre. Voilà, donc symétrie orthogonale, centrale et translation. Donc on en a quatre pour l'instant. Alors l'agrandissement, réduction n'en fait pas partie puisque ça viole, préserve les distances. Et que ça conserve les angles. Hein? Donc c'est pour ça qu'on a. Et alors ici, la symétrie centrale, on verra que c'est l'équivalent d'une rotation de 180 degrés. Mais elle reste quand même à part. Ok, bah maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre ici dans les fiches dépendantes. On va supprimer ça et on va simplement copier la liste. Et on a fini pour cette fiche qui était très simple. Alors, on peut ici mettre des illustrations pour montrer ce que c'est une symétrie.
Là, on a une grille. Ici, on veut afficher la grille tout le temps. On va mettre un peu plus que 10 pixels. On va mettre une grille de... Ouais, on va mettre une grille quoi, de 100 pixels. Un peu grand. 50. Ouais, c'est toujours un peu... On va mettre 25. Donc là, on est quasi à des carreaux d'un centimètre, quasi. Et bah, c'est pour que l'étudiant puisse bien se rendre compte de la position d'un point dans l'espace. Alors, on va prendre une figure. Alors, le mieux pour une figure, c'est de prendre un F. Donc ici, j'ai pas de F a priori tout fait. Donc, on va le faire soi-même. Alors, le mieux, c'est d'activer le Snap to Grid. Et ouais, on va faire un F qui soit assez visible. Okay. Ouais, enfin, en même temps, peux très bien faire mon rectangle comme ça. Voilà. Ah, déjà ici, je suis en train d'utiliser un outil qui, dans Word, n'est pas top top. Et surtout, on ne sait pas faire ça. Alors là, je vais d'abord commencer par faire une erreur classique. Il paraît, en fait, c'est une erreur. Il paraît de prime abord être bien. Et puis on se rend compte que en fait, c'est pas si bien que ça. Donc ici, je fais une symétrie Excel ou orthogonale. Et l'erreur ici est de mettre le F tel qu'il soit avec des côtés parallèles à l'axe. Et donc, ça ajoute un biais dans la tête de l'élève, c'est que les droites sont parallèles à l'axe, etc. Donc, pour enlever ce biais, il n'y a rien de plus simple. On va faire une petite rotation. Et voilà, on va utiliser ceci. Alors un autre biais, c'est d'avoir l'axe vertical ou horizontal. Donc on va simplement, oups, incliner un peu la figure. Et donc là maintenant, on a une figure qui est tout à fait non alignée à quoi que ce soit, avec un axe non aligné à quoi que ce soit. Donc on a ici la symétrie orthogonale. Et donc on va mettre la légende symétrie orthogonale. On va illustrer la symétrie centrale. Alors ici, voilà, en voyant ça, je me dis, je vais peut-être pas toutes les mettre l'une à côté de l'autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre ceci et en faire des titres. Donc, je promeux chaque item ici en titre. Donc là, d'un coup, je décide en fait de changer la façon dont je fais le document. Et ben voilà, maintenant ici on peut faire un inline draw. Et je vais recopier simplement ceci. Ici. Et a priori, on peut faire aussi la symétrie un peu plus petite pour l'instant. C'est juste des illustrations, ce sont juste des illustrations. Et on va quand même mettre une grille, ça c'est juste pour aider l'étudiant. Ok, symétrie centrale, je vais recopier ce qui est ici. Et bah, on va prendre la même chose ici. Et bah, ici, l'avantage, c'est que on peut tricher un peu. Mais pour pas avoir de... Parce que si j'avais laissé dans la même orientation classique la symétrie orthogonale, l'étudiant aurait pu faire un lien.
Alors, ouais, on va mettre d'abord avec un centre qui se trouve entre les deux objets. On va connecter. Les points qui sont analogues. Comme ça, on a un point d'intersection. Et on va, hop, réduire nos deux lignes de sorte à obtenir un centre. Et donc, ça, on sait que c'est le centre exact. OK. Alors, là, il y a quelque chose que je n'aime pas. Donc, je vais créer deux exemples. Ce qui va permettre en fait à l'élève de se rendre compte que le centre n'est pas forcément. Ah non, là je dis des bêtises, c'est une symétrie centrale, donc on n'a pas le choix. Voilà, ça c'est fait. On va prendre la rotation qui ressemble, c'est pour ça que voilà, j'ai fait la confusion. Donc ici on va déplacer le centre. On va simplement mettre ceci. Voilà. Et maintenant, notre centre est en fait plus bas. Alors, pour repérer le centre, on va prendre deux droites. Hop. On va étendre. Hop. Enfin, ce sont deux segments ici, mais j'appelle droite parce que ce qui m'intéresse, c'est la direction. D'ailleurs, je prolonge. Hein, donc. Ce ne sont pas des segments de longueur fixe. Donc, je considère que sont la droite. Ok, tac. Tac. On réduit pour avoir notre centre. Et j'aimerais avoir un centre qui ressemble à ça. Là aussi, c'est pareil. C'est pour éviter une confusion d'élèves. On zoome. Donc, ça, pas disponible dans Word non plus. On zoome encore plus parce que ça va faire. Voilà. Et on peut supprimer les originaux. Voilà. Donc là, maintenant, on a bien notre centre qui est excentré. Donc, il n'est pas au milieu des figures. Et et ici, on n'a pas beaucoup, on n'a pas ajouté de précision parce qu'on n'est pas en train d'expliquer ce que c'est juste un vague rappel là, de ce que c'est. Voilà, translation, je pense que je vais la mettre en première parce que elle est plus facile. Et donc là, bah, on va faire tourner un peu le F autrement. On le fait glisser. Alors, je fais pas glisser horizontalement ni verticalement, ni trop dans les axes, donc pas dans la continuité du F, mais un peu décalé. Par exemple, on peut faire comme ceci. Et on va noter ça avec un vecteur. Alors, ici, le mieux, c'est de prendre ce point-là. Tout simplement parce que non, je n'aime pas ça. Je fais plutôt comme ça. Donc ici on a bien et on pourra mettre une petite boule pour indiquer le déplacement. Ça, voilà. Et donc là on a non, peut-être pas parce que là on a en faisant ça on indique trop fortement que le vecteur a une position en tout. Et ça, on veut pas non plus. Donc, on va garder ça comme ça. Et enfin, on va mettre ça au centre. Et donc là, on vient d'utiliser des outils de dessin assez avancés, directement disponibles ici. Alors, on va vérifier à nouveau. Tac, tac, tac. Tout ça semble bien. Alors, prenons, le cas de là. La symétrie orthogonale. Donc là, ce qu'on va faire, c'est prendre ceci, faire Add Document, symétrie orthogonale. Donc, on a notre nouveau document. Dans Isométrie, on recopie ceci.
symétrie orthogonale. Et bah, forcément, on va recopier le nom du document. Là, ah, non, tant pis, on va remplacer et aller taper large ici. Voilà. Fiche matière requise. Bah, il n'y en a pas. Si, il y en a justement, mais elle est dépendante, pour l'instant, il n'y en a pas. Et fiche matière requise, ce sera les isométries. Voilà. Bah, ici, on a symétrie orthogonale. Donc, on va mettre définition. Donc, alors, la définition ici, je ne sais pas la produire, mais ça n'est pas grave. On va donc aller ici et aller dans le lexique mathématique. Alors, c'est une ressource intéressante. Si on clique ici, auteur, on va vite voir. Voilà, on voit qu'ils ont des bacs, mais surtout bac en pédagogie et bac en enseignement des mathématiques. Bon, c'est deux bacs différents là. Tout ça, on a ici qui fait les deux. N'est-ce pas? Voilà. Et alors ici, on a donc bac en sciences, c'est bien, mais surtout bac en pédagogie et une licence d'enseignement. Donc c'est aussi bien. Donc on sait que ces gens-là vont pas dire n'importe quoi. Donc ça, c'est bien. Alors, dans le lexique ici, on va mettre orthogonal, non, on va mettre symétrie, parce que c'est peut-être mieux. Symétrie, orthogonale, on l'a ici, et axiale. Ah, voilà. Donc, on a les deux. Tiens, je vais cliquer axiale pour voir ce qu'ils disent. Ah, voilà. Donc, du coup, là, on voit une faute dans la symétrie orthogonale. C'est que, ici, dans isométrie, j'ai mis ou axial. En fait, c'est pas ou axial. Donc, axial, voilà. On va pas y toucher. Donc, axial, c'est dans les transformations affines. Donc voilà, donc important de lire tout jusqu'au bout et de s'intéresser un peu à d'autres choses. Ici, dans le cas, c'est de voir, tiens, il parle de la symétrie axiale, donc. Ok, alors, une réflexion, clac. Retournement, l'axe de la réflexion, ok. Et on va mettre. Cliquer, donc la symétrie dans laquelle la direction. Ok, donc. Ça, par exemple, c'est une définition qu'on ne peut pas utiliser car elle est trop complexe pour un étudiant. Donc, ce qu'on va faire, c'est une combinaison des deux définitions. Donc, ici, on a une symétrie axiale. Okay, et la symétrie, c'est transformation du plan caractérisée par une droite D appelée axe de la symétrie. Donc, ça, on va prendre ça. Et donc, on va copier-coller. Passons par une droite D appelée axe de symétrie. Et puis, on va prendre ça, dans laquelle est la direction de symétrie. Perpendiculaire à l'axe de la symétrie. Transformation du plan caractérisée par une droite D, appelée axe de la symétrie, dans laquelle la direction de la symétrie, axe de la droite D, appelée axe de la symétrie, dans laquelle la direction de la symétrie l'axe de la symétrie dans laquelle la direction de la symétrie est perpendiculaire à l'axe de la symétrie. Alors, là, on va aller chercher une autre aide. Donc, bon, bah, là, c'est simplement là. Bon.
Ah, c'est pas cet email-là, évidemment. Je suis un peu con. C'est pas grave. On va remplir avec ça. C'est bien. Hop. Oui. Ah non, ça va. J'ai cru que c'était un code à moi, mais BV, c'est Beaver Bell. C'est de l'inventaire. OK. Donc ici, on va aller voir dans les manuels. Manuel 1 numérique. 1, 1. Qu'est-ce qu'on a là? Nombre, géométrie plane, équation, figure, solide, graphique, transformation du plan. Poup. Transformer, ok. Symétrie orthogonale est une qui fait se retourner les objets par rapport à une droite, appelée axe de symétrie orthogonale. Oui, je n'aime pas l'idée de retourner, mais je n'aime pas la définition. Donc, point droite dans laquelle la direction de la symétrie est perpendiculaire, appelé axe dans laquelle la direction de la symétrie est perpendiculaire à l'axe de la symétrie. Bon, là, je préfère la définition parce qu'on ne parle pas de retournement. Et donc, transformation du plan caractérisé par une droite D, appelée axe de la symétrie. Ok, on va mettre une virgule. Transformation du plan caractérisé par une droite D, dans laquelle la direction de la symétrie est perpendiculaire à l'axe de la symétrie. Voilà. Ça, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Ça, c'est un dégoût, mais voilà. Donc ici, ce qu'on a comme souci, c'est qu'on a maintenant direction. Et direction est un mot qui vient de relation entre deux droites. On n'a pas encore. Et donc, il faut savoir qu'en fait, ici, on aura relation entre deux droites. Où on va dire ce que c'est une droite, etc. Et là, on peut mettre non rédigé. Et enlever ce symbole. C'est l'ensemble vide que je viens d'enlever. Donc, on a les définitions de la propriété. Donc, souvent, on aura. Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. J'ai été mettre un 2 moi-même. Donc, là, on a les propriétés. Alors, on va ajouter un dessin. Parce que c'est plus simple. On va dire qu'on veut toujours afficher. Snap to grid, non. Enfin, si. Non, on va pas faire snap pour l'instant. Et on va garder ça comme ça. Mais par contre, on va s'y mettre 25. Et on va mettre notre symétrie orthogonale. Donc, je vais aller chercher dans les isométries. Je vais reprendre ma symétrie orthogonale. Ouf. Et symétrie orthogonale, coller, agrandir un peu quand même. Voilà. Et donc là, on a bien l'axe qui est pas vertical ou horizontal, ni à 45 degrés. Et là, ce qui nous intéresse, par contre, est-ce que c'est une illusion d'optique ou c'est une erreur. Okay. Donc pourquoi est-ce que c'est faux? On va aller ici, aller corriger ça. Hein. Donc ici, il y a un truc qui ne va pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des papillons pour trouver l'axe. Là, j'utilise une propriété qui est probablement pas connue. Mais c'est pas grave. Là, c'est juste un côté pratique. Donc, ici, ce que j'utilise. Ah, bah, je suis même pas obligé de faire des papiers, en fait.
Donc, ce que j'utilise, c'est que forcément, l'axe de symétrie va couper les droites qui rejoignent deux points analogues et va couper ces droites-là en leur milieu. Donc, forcément, ici, on a le milieu des points. Et en faisant un papillon comme ça, là, ici, j'ai le milieu de chaque droite. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, voilà, simplement appliquer la propriété comme ça. Donc là, j'ai la chance, c'est que l'outil snap, donc il va accrocher en fait le bout de mon segment aux extrémités de l'autre segment ou au milieu du segment. Donc là, ça me permet bah, de retrouver l'axe à partir des deux figures. Ce qui est sympa parce que ça veut dire que je peux disposer la figure comme je veux. Je vais agrandir un peu l'axe. L'axe est une droite. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut indiquer que c'est une droite? Je n'ai pas l'air d'avoir ça ici. Donc, ce qu'on peut faire pour ça, c'est réduire un peu notre axe. Dupliquer, CTRL-C, CTRL-V, notre segment. Et là, j'ai accroché en fait le segment au bout. Voilà, copier-coller. Là. Et maintenant, ces deux segments-là, je peux dire que je veux les pointiller. Et comme ça, on a bien un axe qui ressemble à une droite. Ok, donc là, on va passer à la symétrie orthogonale à nouveau. Donc ici, ben, on va utiliser la même astuce, sauf que cette fois-ci, je vais garder cette droite. Là, j'en prends 3, et là, je vais prendre chaque fois pris au-dessus, donc prendre un... non, on va prendre hésite, est-ce que ça, c'est mieux? Non, on va prendre comme ça. C'est assez clair. Et bah, on va utiliser propriété pour trouver l'axe. Va étendre un peu notre axe. On va copier-coller. Voilà, ici, pour garder la direction, je maintiens Alt sur le clavier, ce qui me permet de faire glisser le point sur la droite. Droite invisible. Donc ici, on a bien notre droite, parce qu'on a bien les petits points. Et on doit ajouter un peu de codification. Alors, bah, ici, on doit ajouter la codification avec les doubles traits. Il me semblait que on pouvait le faire à partir d'ici, mais voilà, ah, ça c'est le milieu, voilà, c'est ça. Donc ici on va mettre ça. Alors si je fais ça, le problème c'est que ça met au milieu. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter un point. Ah non, on va faire mieux. On va diviser le segment ici en deux. Donc là, je vais prendre une copie du segment, le mettre au début, faire glisser, ah non, à prendre, donc accrocher le point au milieu du segment, dupliquer le segment ici. Donc, je peux supprimer l'original. Et maintenant, ces deux segments-là, je peux ajouter la codification. Alors, on va d'abord commencer avec 1. Ah, ici, je peux, non, on va mettre 1, donc. Ici, on va mettre 2, donc je vais CTRL-C, CTRL-V. Là, je peux supprimer, copier-coller celui-là ici et mettre 2. Et ici, il faudra en mettre 3. Malheureusement, je n'ai pas cette option. Donc, on va tricher. Et ici, comme on ne peut pas mettre 3, il n'y a pas, on va le faire à la main. C'est un peu comme on devrait faire dans Word.
Donc, pour ça, je vais rentrer une minute comme ça. Et on va regarder l'espacement ici, ça me paraît pas mal aussi. Et bon, ça, je suis pas fan. Alors, on va utiliser un peu de géométrie. Hop, on accroche. On accroche. Et alors, comme ça, lui, je peux mettre. Tiens. Elle ne veut pas s'accrocher. C'est trop près, peut-être. Donc, il y a une limite. Ok, donc du coup, c'est pas top top, c'est pas grave. Donc, on va se faire un petit segment comme ça, voilà. On va déplacer ici. Et pas, ça fonctionne aussi. Ça donne, ouais, non, c'est pas hyper droit, donc j'aurais dû faire ça un peu plus droit. J'aime vraiment pas. Donc, on va faire ça bien. Ça bien. Donc, pour ça, on va copier l'angle qui est ici. J'aurais dû faire dès le début. On peut. Donc, hop, hop. Voilà. Là, maintenant, on a un vrai marquage digne de ce nom. Hop. C'est mieux. Ah, je vais passer ici. Donc là, on a notre première chose. Alors, l'autre chose, c'est l'encodage, pas le codage des angles droits. Donc, ici, on va utiliser un coin, comme ça, par exemple. C'est très bien. Et on va le mettre au marquage. Donc, peut-être un peu réduire. Là, je maintiens un shift majuscule pour. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est. On ne peut pas retirer l'angle, extraire l'angle. Mais j'ai eu de la chance parce que, visiblement, j'étais déjà plus ou moins dans le bon angle, donc c'est bien. Donc là, ce qu'on fait, ben, on a simplement marqué que c'était droit. Donc, propriété. Et on va mettre en dessous, textuellement, ça comme ça. On va mettre. Alors, oui, pour aider, on va aussi nommer les points. Alors, on peut choisir comment ça va s'accrocher. Voilà, la prime. Peut-être passer ça en mode maths. Donc on a A prime. Lui, on va l'appeler B.
Pas de grande surprise. Donc, du coup, on aura les primes. Okay. Là, le B est trop grand, donc on va mettre en tenir, alors. Script. Script, ok. Ouais, je peux un rang partout. Voilà, et B. Et sans grande surprise, le dernier, on va appeler C. Et C prime. Voilà, ça c'est juste pour bien montrer qu'on a un point. Et alors, ce qu'on peut ajouter aussi, ouais, ce sont les points eux-mêmes. Hein. Comme ça, on montre bien que. Non, non. Ça montre bien que parle du point et pas d'autre chose. On a des petits indices comme ça. Là, il y a d'autres points, on n'a pas forcément mis tous les points. Mais ça, c'est assez implicite, assez facile à comprendre. Voilà, donc on a nos angles droits. Alors, l'axe de la symétrie est la médiatrice des segments rejoignant les points et leur image respective. L'axe de symétrie. Et en fait, juste en mettant ça, que c'est la médiatrice des segments, nanana, on vient de dire que ça se coupe en deux. Et donc, l'axe divise chaque point de segment. L'axe passe par le milieu segment. L'axe est perpendiculaire au segment. Et là, j'ai décidé de mettre directement ces caractéristiques de la médiatrice ici, en ligne, directement comme sous-point, pour ne pas forcer à aller voir les droites remarquables ou des choses comme ça, pour pas les faire aller dans une autre fiche. Hein, voilà. Alors, en fait, j'ai redéfini ceci. Et donc voilà, ça c'est tout ce qu'on a, et en fait c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Ok, bah donc on peut passer par exemple à une autre isométrie. On va prendre la symétrie centrale, ou est-ce que la translation est bien aussi? On va prendre la symétrie centrale, ça me paraît bien. Donc la rotation est bien aussi, parce que la rotation, on va prendre la symétrie centrale parce qu'elle fait référence aussi à la rotation. Ok, symétrie centrale. Donc ça, on fait Add document. Donc ici, on va mettre symétrie centrale large. On va prendre, tant qu'à faire, on va copier ici. Tout ça d'ailleurs. Donc ici, on a la même fiche requise forcément. Et ici, on n'a pas. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit set. Transformation du plan caractérisé par un centre. Donc ici, ce sera un point. Appelé centre de la symétrie.
Et là, transformation par rapport, appelle ça dans laquelle. Et voilà, dans laquelle. Tout point. Tout point. Image. Et alors, donc là, tout point, on a un centre. Et puis on a un centre. Là, tout est pour image. Ça. Non, ça va pas. Pour image. Dans quel point pour image? Donc, on a un point. On a son centre. Ouais, ça, c'est compliqué parce que j'ai trop envie de faire le lien avec la translation. Donc, on va aller ici et on va aller dans symétrie centrale. Voir ce qu'on nous dit ici. Invariant. Ah, les invariants, je les ai oubliés. L'alignement des points. Ça, j'ai mis. Ça, j'ai mis. Et le parallélisme, je n'ai pas mis. Donc, ça, c'est la direction. Un point. Donc. J'aime pas non plus le fait tourner d'un demi-tour. Donc, on va aller ici dans Disco. Pas Disco, on va retourner ici. On va taper symétrie centrale. Là, le point fixe, ok. Qui applique tout point P du plan ou de l'espace sur un point P, tel que soit le milieu du segment P, P'. Oui, ça c'est bien. Ok, donc là je vais carrément prendre ceci. Transformer un point fixe. Appeler le centre de la symétrie. Et applique à tout point du plan. Ou de l'espace, ouais, ou de l'espace sur un point. Tel que le centre de symétrie. Soit le milieu. Exactement. Formé. Et son image. Voilà, donc c'est un petit mix, mais comme ça, là, j'ai pas de référence à des symboles qui n'existent pas en dehors de la définition, tout simplement. Donc là, la définition se suffit à elle-même. Propriété, ben alors, la première chose, c'est de. Un petit dessin. Fiche matière dépendante aucune, mais requise rotation. Parce que, alors, on va maintenant rédiger. Et voilà. Et donc, dans les propriétés, bon, on fait notre petit dessin avant tout. Donc là, je vais aller chercher ceci. On va coller. On va mettre notre petite grille parce que la grille, ça aide. Même si c'est pas aligné, surtout pas aligné. Je vais le répéter 50 fois. Et là, ben, on va aussi agrandir. Parce qu'ici, on n'est pas dans un espèce de rappel, on est dans la fiche. On va prendre un peu plus d'espace. On va nous mettre un petit point. Donc là, je mets carrément un cercle et je vais remplir.
en évitant là à peu près. Et donc, bah là, on va connecter les points. Et on va utiliser la même stratégie qu'avant. Là, j'aime pas. Il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression que c'est pas droit. Oui, c'est pas qu'une impression. Donc, en fait, ce truc-là est faux. Donc, on va faire ça proprement. Hop. On sait que le point ici doit être au centre ou au milieu du segment. Donc, là, mettre ça comme ça. Voilà, ce que je fais, c'est je prends mon point, entre guillemets, et à un moment donné, il s'accroche. Et là où il s'accroche, c'est en fait le milieu du segment. Donc, là, je sais que c'est correct. Et la preuve, c'est que maintenant, si je duplique ce segment ici et que je l'attache au centre, on voit qu'il arrive bien sur l'autre point. Okay. Et donc là, bah, on va faire comme avant, on va noter les points. Voilà. Donc ce point-là avec ce point-là. Point-là avec ce point-là. Donc ça, c'est possible que ce soit pas une symétrie centrale. Ok, donc possible. Oui, c'est tout à fait possible, je suis bon. Donc ici, en effet, c'est pas une symétrie centrale vu qu'on n'a pas fait de... C'est une rotation, mais les côtés ne sont pas parallèles. Donc ces deux côtés sont pas parallèles, donc c'est pas une symétrie centrale. Donc on va supprimer le F et on va simplement faire 180 degrés. Donc ici, on peut faire un flip horizontalement et flux verticalement. Voilà. Et donc là, on a bien 180 degrés. Alors, pas trop aligné non plus. Voilà. Trouver notre fameux centre de symétrie. Oups. Et ici. Et on va contrôler ça tout de suite. Alors, ici, ce que je n'aime pas, c'est que mon F, il tombe trop juste. Et donc, du coup, on va avoir des perpendiculaires qui apparaissent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... écarter mes deux F. De sorte à ce que... mes axes ne soient pas perpendiculaires les uns aux autres. Donc, ici, on a, c'est bien parce que les axes sont pas perpendiculaires. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Peut-être juste descendre. Ah non, si je descends, je descends. Si je descends, ils sont moins perpendiculaires. Ok, donc ça c'est bien. On peut mettre notre centre ici. Là, ce que je fais, c'est que j'évite les biais cognitifs chez l'élève. Donc maintenant, les axes sont pas perpendiculaires, donc il ne peut pas se dire
Ah oui, alors à un moment donné, je dois avoir des perpendiculaires. C'est juste ça. Voilà, c'est bien mieux comme ça. On va noter nos petits points pour que ce soit bien compréhensible. Et là, pareil, je ne surcharge pas en mettant tous les axes. J'en mets suffisamment pour bien comprendre le principe, mais je ne surcharge pas le dessin. Les petits marquages, la note modification. On va en mettre deux. Alors ici, il y a un truc sympa qui se passe. C'est qu'on voit que l'ordre est... Donc, si on regarde dans le sens anti-logique, 1, 2, 1, 2. Et je vais aller copier mon marquage d'A3 ici. Poup. Je vais faire un groupe. Comme ça, je peux le tourner comme je veux. Ici, c'est pas évident parce que... Ok. On fait mal passer. Voilà. Donc là, j'ai mon marquage. On doit nommer nos points. Ben, ok, on va aller choper ce petit truc ici. Alors ici, on pourrait se dire, oui, alors il va toujours voir ABC dans les trois fiches. Mais bon, il faut aussi rester pragmatique. Le truc, c'est de pas simplement se gourer, de prendre la mauvaise image. Voilà, ce que j'ai fait ici, par exemple. Il faut forcément que A corresponde à A', enfin A' corresponde à A, C' à C, C' à B. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors, on va essayer d'être cohérent, recopier en fait ici. Je recopie carrément ici. Et donc, le centre de la symétrie est... Pas la métrie, mais le milieu des segments rejoignant les points et leur image respective. Et ça, évidemment, bah, un milieu, ils savent ce que c'est, donc on n'a pas besoin de décortiquer. Et donc voilà, le centre de la symétrie est le milieu des segments rejoignant les points et leur image respective. Donc là, on a notre chose. Alors, on va revenir dans les isométries. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut faire propriété. Et en fait, les propriétés, c'est pas la même chose que la définition. Donc, on va mettre la propriété. Alors, qu'est-ce qu'on a comme propriété? Ben, on a la longueur des segments. Les longueurs, la longueur des segments. Réservée. L'amplitude. D'ordre conservé. Et alors, ici, il faut faire gaffe, on pourrait mettre la direction, mais non, parce que la direction ici, elle change. Donc, ah, bah oui, donc du coup, ici, c'est une tentative de faire la symétrie centrale, mais. Ok, donc je vais supprimer ça. Je vais prendre ici, on va copier ça.
revenir ici. Symétrie centrale, bah, elle est mauvaise, donc elle part. Et là, on va supprimer le détail qui n'est pas nécessaire. Et réduire. Et passer de 25 à 10. Voilà. Ok, ça c'est plus propre aussi. Et alors, bon, vu que j'utilise un point ici, on peut peut-être mieux l'utiliser. Oups, on se les groupes. Là, je vais en supprimer qu'un des deux. Parce que l'histoire, c'est de mettre notre centre. Ah. On va mettre OK ici. Parce que c'est tellement petit que même si j'ai un dixième de pixel qui est pas correct, surface ce sera 100% correct. Donc voilà. Donc là, on a notre chose. OK. L'amplitude des angles, la longueur des segments, l'amplitude des angles. Là, c'est tout ce qu'on peut mettre. OK. Alors, symétrie orthogonale. Propriété, l'axe de symétrie, on en a. On va mettre. Qu'est-ce qu'on regarde ici? Oui, on peut garder. En fait, on a la longueur, mais en fait, voilà. C'est une isométrie, donc forcément, on a les. Ah, on a les invariants. On a les invariants. Invariant. Je ne sais pas écrire, évidemment. Voilà. Invariant. Qu'est-ce qui ne change pas? On a un point appartenant à l'axe de symétrie. Et ça, cette image. Une droite perpendiculaire à l'axe. Sa propre image. Voilà. Voilà, voilà. J'ai deux invariants ici, donc un point sonar, un segment. Bah oui, on peut aussi mettre un segment dont l'axe de symétrie. Sa médiatrice et sa propre image. Voilà. Là, il y a une petite enchâssée, mais elle est obligatoire. Et donc, je pense que dont l'axe de symétrie, non, dont l'axe de. Non, on va laisser comme ça. Okay. Dont l'axe de symétrie est sa médiatrice et sa propre image. Et voilà, donc tac tac tac, tac tac tac. Oui, je pense que c'est tout. Alors, on va aller vérifier dans le truc ici. Exemple, propriété, non, mais par contre ici. Symétrie, il n'y a pas d'invariant? Là, j'ai une petite
Parce que ça a l'air d'être okay. Ah oui, ça vient aussi de droite perpendiculaire sont des droites perpendiculaires alors. C'est ça le truc, hein. Donc, il n'y a pas les invariants de. Ok, donc ça, c'est pas hyper complet, voilà. Okay. Par contre, on peut aller dans les isométries et rajouter les invariants. Dans les invariants. Là, on peut, un invariant, c'est toutes les combinaisons. Invariant, et donc, on va recopier ce qu'on vient de lire, hein. Donc, l'image d'un angle. Non. Donc, même amplitude. L'image de droite parallèle au de droite parallèle. Donc, du coup, je me demande pourquoi de deux droites parallèles sont deux droites parallèles. Voilà, on va mettre l'image de deux droites perpendiculaires. Sont deux droites perpendiculaires. Oui, parce que conserve j'ai fait une soupe, donc c'est pas grave, on va faire ça. Perpendiculaire. L'image de deux droites sont deux droites. Non, 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 non. Un segment. Et son image. La même longueur. Okay. On va mettre ça dans un ordre hein, plus ou moins cohérent aussi. Et on va aller voir si j'ai oublié quelque chose. Évidemment, hop, petit émulateur qui se lance. Donc, hop, on va aller relire. Là, ça parle de vecteur, je vois. Donc, parfois, hein, d'accord. Ok, donc. Parallélisme, longueur, amplitude, alignement des points. Okay. Alignement des points. L'image. Aligné. Je ne sais pas écrire aligné. Sont des points alignés. Et en fait, ça, bon, bah, ça vient du fait que les points alignés sont sur une même droite, hein. Donc forcément. Et donc du coup, l'image de la droite est une droite. Et donc du coup, bah, les points, enfin, voilà. Donc on a des points alignés donc sur une même droite. Donc si on prend donc bah, on a une droite. Donc l'image serait de la droite, une droite. Et sur cette droite, on devrait y retrouver bah, les points images aussi. Et donc, du coup, forcément, les points images sont alignés. Et donc, c'est ça. Une droite est une droite. Donc, l'image d'une droite est une droite. Et d'ailleurs, il faudrait le mettre. L'image d'une droite est une droite. Et l'image d'un cercle. C'est con, hein, mais l'image d'un cercle. Un cercle. C'est un cercle. Voilà. Donc, parce que ça, c'est pas mis, mais en fait, c'est important. Parce qu'il y a des transformations où un cercle devient une droite et une droite devient un cercle. Donc, voilà. Donc, c'est important de le noter. Et voilà. Donc, c'est pour ça que la
La droite peut se transformer en cercle dans certaines transformations, et les cercles se transforment en droite. Donc, du coup, il faut ajouter ces deux invariants. Voilà. Donc, isométrie. Ah, en fait, on a plus que ce que... Mais bon, voilà. Okay. Donc là, du coup, ça peut être intéressant de montrer quelques transformations affines pour justement faire le bah, montrer qu'en fait, il y a bien des cas où tous ces invariants ne sont pas corrects. Donc, ça ferait une fiche en plus et ça fait bien une longue vidéo. Donc bon, voilà, c'est un peu comment je fais mes fiches. Donc j'ai deux grosses sources principales et une troisième qui est un peu cachée, qui est le livre référentiel de mathématiques. Donc on va aller sur Google. Donc ce livre-là, référentiel de mathématiques. Et avec un peu de chance, on va tomber dessus. Évidemment, non. Ah si, voilà. Donc c'est ça, qui est pas mal. Ah ben, groupe d'enseignement mathématiques belge. Donc voilà. Donc ce livre-là est très très bien. Vraiment, il est facile à lire. Tout est bien expliqué. D'ailleurs, j'aurais dû regarder aussi dans ce livre-là en faisant mes définitions. Et voilà. Parce qu'alors, j'aurais peut-être eu d'autres idées à partir de là. Et donc, on peut aussi remarquer que bah, on n'a pas forcément tout dans les référentiels que j'ai choisis. Donc, il faut parfois compléter si on veut être un peu plus complet. Et puis, il faut savoir où s'arrêter aussi, hein, parce que forcément, on peut aller dans des choses plus complexes. Donc, il faut adapter le niveau également. Pas avoir peur de rejeter du détail sur une fiche ou autre. Par exemple, ici, bah, j'ai tous ces invariants-là. Donc, ça veut dire que si je vais dans la symétrie centrale, bah, forcément, ici, j'ai pas mis d'invariants parce que les invariants, ils sont déjà tous repris dans la fiche requise, isométrie. Voilà. Et alors, il y a la rotation qui va aussi expliquer d'autres choses. Voilà. Et on voit ici, par exemple, que j'ai pas mis que c'est une rotation. Donc, je vais mettre aussi propriété, la symétrie centrale et une rotation de 180. Et là, on doit faire un peu. D'ailleurs, je vais mettre tout ça en maths. Hop, et on va mettre degré. Voilà. Donc ça, c'est important. Et donc, du coup, ça justifie le fait d'avoir besoin de la fiche sur la rotation. Pour la symétrie orthogonale, on aura la relation entre deux droites qui n'a pas été rédigée. Bah, c'est parce qu'on parle de perpendiculaire. Et d'ailleurs, cette fiche matière-là, elle sera aussi utilisée dans les isométries. Parce que on parle bien de relation entre deux droites, en parlant de deux droites parallèles et deux droites perpendiculaires. Et en fait, on pourrait mettre tout ça en la relation entre deux droites est préservée, mais ce serait peut-être voilà, le cours. Donc, pas plus mal de les avoir mis en détail. Et d'ailleurs, quand on voit ça, ça, il y en a beaucoup à étudier, tout ça. C'est un peu intimidant, hein, mais si on compresse trop, alors ça devient plus obscur. Et du coup, il y a moins à étudier, mais c'est plus compliqué à comprendre. Et donc, ça rentre moins bien aussi. Et puis, il faut insister que ça se voit plus ou moins dans les dessins, ici, dans ce cas-là. C'est pas toujours le cas, mais ici, c'est un cas assez facile où tout se voit. Là, je regarde à nouveau. Et ici, ce qui m'embête, c'est le vecteur. Et donc, du coup, dans le cas de la translation, bah, il y aura une fiche vecteur qui va expliquer grosso modo ce que c'est un vecteur, quelques opérations. Et donc, on peut lire cette fiche-là et voir, ah, c'est ça un vecteur. Et puis s'arrêter à la définition et puis revenir ici à la translation, tout simplement.
Et donc voilà. Et donc grâce à ça, ben maintenant j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fiches qui sont aussi complètes que ça avec l'illustration. Et donc petit à petit, ben, ça est votre propre référentiel. Il y a pour avantage, ben, c'est le vôtre. Donc, ben, vous êtes approprié. Et le deuxième, c'est qu'il est plus complet. Parce que généralement, vous allez piocher dans différents référentiels et donc prendre différents morceaux et compléter chaque fois ce qui manque d'un référentiel à l'autre. Donc, du coup, c'est beaucoup mieux. Et aussi, bah, comme vous n'êtes pas limité en place, vous allez pouvoir illustrer chacun des concepts et donc et exemplifier, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les référentiels. Donc. Ah, voilà, ça conclut en gros l'explication de comment je fais mes fiches et la démonstration. Alors, je vais quand même ajouter un truc, c'est pourquoi je ne le fais pas en Word. Et ça, je vais vite faire une démo très très simple qui devrait être assez convaincante. Donc, imaginons que je vais faire la rotation. Alors, bah, donc ici, je vais passer en mode ici, voilà. Alors, on va faire rotation. Je ne vais même pas sauver parce que ça ne vaut pas la peine. Boum. Centrer pour faire plus ou moins. Là, on aurait nos fiches dépendantes. On comprend. OK. Et puis, dépendantes. Je ne vais même pas écrire. Ah non, ben parce que c'est en English. Donc, ça, voilà. Et puis ici, on aurait définition. Ben là, on s'est tapé une définition dans Word, pas trop de soucis. Et puis, on aurait notre fameux dessin. Et donc ici, on va aller dans Insertion, New Drawing Canva. Là, on voulait un petit grillage parce que ça fait mieux. Donc là, ben, on va aller dans... Et voilà, et c'est là que ça devient déjà... un peu embêtant, donc ici ce qu'on a c'est que shape fill texture non je sais qu'il y a des voilà je sais qu'il y a des moyens de remplir ça bon. Voilà et en plus il faut cliquer partout ça m'énerve déjà donc morphine picture gradient texture. Alors, non, il y avait, ils ont retiré ça quand même. On va faire more texture, voilà. Et voilà, pattern. Et donc ici, je crois que foreground c'est le pattern, oui. Ici, on peut aller cliquer notre grille. Et donc, on a une belle grille qui apparaît. Alors, à l'époque, il y a moyen de changer les détails, mais je vois que c'est pas ici. Donc voilà. Donc ça, c'est peut-être le mieux qu'on puisse faire. Alors, moi je trouve que c'est un peu trop magique. On va le... Non mais c'est une blague, quoi. Ah, ok. Le blanc, c'est pas là. Et ça, ce serait... Ok. Ouais. Donc, ce gris-là est mieux. C'est le mieux, je pense. Ok. Et... Non, ok, donc voilà, donc ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, si on veut plus de, ouais, il n'y a pas de grille. Enfin, je rêve des fonctionnalités dans Word. Donc, ouais, l'autre possibilité, bah, c'est de faire ça gris soi-même, hein, donc c'est-à-dire. S'amuser à faire ça, quoi. Oui, ah, quand on met un petit accroche, ok. Puis, enfin, ou. Voilà, donc après, faire des montages comme ça, hein. Et faire ça gris. Ah, bref, c'est pas top top, quoi. Enfin, Ouais, je comprends pas l'intérêt. Et alors, si on fait notre F, donc j'avais pas fait une figure très compliquée, hein, j'ai juste fait un F.
Donc, ben ici, on pourrait se dire, on va refaire pareil. Là, je vais pas être précis parce que, bon, c'est pas non plus, on ne pas y faire. Hein. Et là, maintenant, on veut combiner les figures. Ben voilà, c'est déjà mort. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est pas ça. C'est, on fait en fait le canevas de la figure qu'on veut réaliser. Le patron en quelque sorte, et puis on va aller tricher. On va prendre un rectangle par exemple. Là, on va faire Edit Shape, ce qui permet d'éditer les points. Et donc là, on peut aller mettre nos points sur. Non, ça c'est. Voilà, on peut ajouter des points. Allez, ici, on peut ajouter des points là. Ajouter des points. Donc, tac, tac. Je te dis que voilà. Ajouter des points. Bref, et on fait, voilà quoi. On passe son petit quart d'heure pour faire la forme, quoi. Ah ben voilà. Donc, on peut prendre. On peut aller un peu plus vite si on. Ouais, évidemment, après lui, il nous fait des trucs de grosse intelligence office, donc il faut le corriger, quoi. Enfin, bref. Et donc, on a notre forme. Alors, c'est pour ça que bah, le plus simple dans office, c'est pas de faire un F à la main, en fait. Le plus simple, ça reste de prendre une forme intégrée, bon, par exemple. Pas un truc trop, par exemple un smiley, c'est pas symétrique, voilà. Qui est dégueulasse par défaut, donc on veut pas le remplir, on veut un boucle noir. Et pourquoi les yeux sont gris? Parce que c'est comme ça, ok. On peut même faire un sketch. Donc ça, ils ont un, ça c'est cool, mais voilà quoi. Ok, bon, oui, c'était cool, mais voilà. Et alors, bah voilà, hein, donc on a pris la rotation ici. Ok, on va faire ça. Et puis ici, il faut trouver le centre. Ok. On va trouver le centre, hein, donc. Prendre ça comme référence. Ici, bah, ouf. Voilà. Et je pense pas qu'on puisse. Ah, voilà. Si je fais ma... Non, parce que là, je suis à 45 degrés, en fait. Je pense que c'est ça, l'astuce. Ah non. Ça, c'est cool. Donc, maintenant, majuscule. Le moyen de... Et alors, en fait, là, j'ai les... En fait, là, ce que j'ai les connecteurs, hein, les points de connexion. Donc ça, je sais que c'est... Je sais que c'est le axe symétrique. Voilà, et donc notre centre serait ici. Là, on va faire pareil avec notre petit point, entre guillemets. Et donc, du coup, là, on va plutôt utiliser les formes prédéfinies, parce que si on essaye... Quel est le souci avec définition? Ah, ça repasse en anglais. Donc là, bah, voilà, oui, okay. Et puis là, c'est un peu de, voilà. Donc là, voilà, on s'est un peu chipoté en utilisant les formes par défaut, mais on sait pas faire tous les graphiques que j'ai fait de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un autre truc, intéressant? Non, ici, il y a beaucoup de texte. Là, un autre truc, sympa, par exemple, ouais, les fractions, tout simplement. Imaginons que je vais taper ça. Bah ici, j'ai vraiment fait dollar backslash frac A sur B times frac B sur A. Je dis A, pas plus. Voilà. Et donc, bon, bah, c'est pas long, quoi. Je veux dire, hein, ça va, quoi. Alors maintenant, on vient ici. On va faire la même chose. On va faire une petite fraction. OK, pas de souci. Insertion, équation.
Et bon, là, j'ai rien trop, donc c'est pas grave, on va faire insert new. On va faire quoi? Une fraction. A sur B. On va faire une multiplication fois fraction D sur A. Alors là, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, j'ai été souris clavier, souris clavier, souris clavier, souris clavier. Voilà. Donc, je peux aller assez vite parce que je sais où cliquer. Mais ça reste un peu lourd. Et donc, ça, c'est notre fraction égale. Voilà. Alors, un autre truc hyper sympa. Imaginons ici, je veux faire division euclidienne sur longue. Hop. Donc là, j'ai ma division longue. Donc ici, on a division longue. Là, je peux étienne. Ben ici, hop. Comme c'est un outil dédié, on aurait nos trucs et tout ça, mais là, je vais prendre un raccourci. On va directement faire une présentation. Présentation. Présentation pratique. Et là, qu'est-ce que je vais faire? On va faire longue division. Ok, ça ne marche pas. On va faire division. Ok, donc c'était pas dans les. Tiens, c'est marrant ça. Donc on va rentrer en mode note. C'est longue division. Et donc ici, ça c'est la version américaine ou anglo-saxonne. Et nous, on est européen. Donc ici, on peut choisir nos layouts de division longue. Alors là, j'avoue, je ne sais pas la différence entre celle-ci et celle-là. Donc, ni celle-là d'ailleurs. Ah, c'est là. Ah, c'est bas, c'est. La barre du T n'est pas la même. Donc, on va prendre plutôt celle-là avec. La barre du T. Et donc ici, bah, je peux faire 1, 2, 3, 4 divisé par 7. 7 rentre une fois. Donc, on va faire 7. Voilà. Et puis, bah, du coup, ici, on a moins 7 égale 5. OK. Et donc, il nous reste 53. Et là, j'ai un peu plus de mal, évidemment. Donc, 7 x 7, 40. Ah, bah, 7 x 7. Donc, là, on va faire 7. Donc, là, on a 49. Moins. Oui. Okay. Pourquoi là? Et 49. Ah, c'est moins 49 égale combien? Non, égale 4. 4, et donc on aura 44, 7 fois 7, 49, 7 fois 7, 42, donc 9 moins, et ici on a 2, et on s'arrête là. Voilà. Alors, on va vérifier sur le côté, vite fait, qu'on n'a pas mis des conneries, donc on fait 7 fois 176 plus 2. Et ça nous donne 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire, oui, la division est faite correctement. Donc voilà, ça c'est la version ici. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est que en un clic, évidemment, je peux changer le format. Voilà, ça va simplement déplacer mes nombres là où il faut.
J'aime bien la version américaine parce que elle permet de d'étendre en fait la division autant qu'on veut. Alors, parce que comme on a le quotient qui se retrouve ici, bah du coup on peut l'étendre à droite comme on veut. C'est pas mal. Alors qu'à la nôtre, bah on doit prévoir déjà à l'avance le nombre de zéros à la virgule. Voilà. Donc ça, c'est à tenir en tête. Mais donc, c'est pour montrer que, bah voilà, il existe un outil pour générer des divisions écrites. Alors maintenant, ce que je vais faire dans Word, c'est une division écrite. Alors, pour faire ma division écrite, ce que je fais, c'est que je vais faire insertion, table, et on va insérer une énorme table. Alors, j'aime bien ce que la preview qui s'est barrée. Et dans cette table, on aura quoi? Bah, toutes les cellules vont être mises sans bordure. Donc, on va enlever les bordures de tout. Voilà. Alors, évidemment, si on fait ça, il y a un problème, c'est que bah, ça devient chaud de voir les trucs. Donc, on va cliquer sur View Grid Line. Donc, maintenant, on peut voir les lignes de la table, même quand elles ne sont pas mises. Alors, ici, bah, ce qu'on va faire, c'est mettre ce qu'on veut. Bon, on peut peindre les bordures, ça c'est un outil pratique. Comment ça fonctionne? Enfin. Voilà. Et donc là maintenant on a notre. Et on veut quitter. Donc là on a notre T avec notre nombre qui se fait ici. Donc ici on va pouvoir écrire. Alors je laisse ça ici pour mettre mes moins. Et donc ici on va faire 1, 2, et donc ça on peut supprimer. Et alors ouais, je vais peut-être faire la bordure plus en gras en fait. Donc on voit bien la division. Et là bah donc j'avais mis 7 dans mettre 7. C'est bien aussi. Et puis bah, on a 7 ici. Donc, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose, non? Donc, ah oui, une fois, donc on va faire une fois 7, 7, voilà. Et, un truc qui est, ah, ok. Ce qui était vaseux, c'est que j'ai mis une barre ici, ok. On va supprimer, oui. Ok, je veux supprimer la bordure. Je sais pas, donc on va prendre celui-là et on va supprimer comme ça. Ouais. Et donc maintenant, on va peindre ici. Donc on va juste peindre ça. Oup. Ben voilà, donc 5, 23, 49. Peindre la bordure au-dessus. Et voilà, donc on avait fini 4, donc ça nous fait 44. On va peindre la bordure ici. Ah ouais, non, on va pas peindre parce que si je fais ça, ça va foutre la mouise. Donc je vais juste rajouter des lignes en plus. Voilà, donc ici 44, 7 x 7, 6 x 7, 42. Voilà. Et on va peindre la bordure au-dessus. Ah. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Ah, je vais ajouter. Ah. Okay. Voilà. J'ajoute une ligne vide dans une colonne, c'est pour la mise en page. Donc on va faire ceci. Et on obtient deux. Voilà. Et maintenant, ici, bah, j'ai mes moins, donc je vais faire moins, moins, moins. On va aligner nos moins, ouais. Là, il y a le truc de format qui se met et puis qui disparaît. Ça, on a juste le temps de dire, ah, ce code, je vais l'utiliser, puis, ah, ben non. Donc là, on va sélectionner tout et double-cliquer une colonne.
Voilà. Alors là, il sait pas, donc il a gardé la taille, mais nous, on sait, donc on va réduire. Et voilà. Et donc là, on a notre division écrite. On peut peut-être faire ça pour gagner un peu de place. Et enfin, très important, désactiver. Et donc, elle est très jolie. Voilà. Mais elle a mis du temps. Ça, le truc. C'est que, ben, tout est possible dans Word, si on prend le temps. Et enfin, tout est possible. À part ça, mais je veux dire, ici, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un logiciel externe. Donc, je peux utiliser GeoGebra, faire ma construction et copier-coller depuis GeoGebra. Et alors, j'aurai un graphique GeoGebra ici. Je peux faire ça également dans l'autre logiciel, sauf que 99% du temps, j'en aurai pas besoin. Et donc, et pour ça, bah, voilà, on voit bien avec des tables, bah, je peux faire ma division. Mais ça met du temps. C'est pas, l'outil n'est pas prévu pour ça. Donc voilà, c'est une grosse différence entre Word et Matcha. Donc c'est vraiment pour ça que j'utilise Matcha, c'est que tous les outils sont intégrés, c'est plus rapide pour tout taper, parce que je ne dois pas passer du clavier à la souris, c'est meilleur pour les mains aussi. Donc pour le syndrome du canal carpien par exemple. Donc voilà. Mais au moins voilà, j'ai montré que dans Word on pouvait, et donc j'étais un honnête, hein, je me rappelle juste faire la publicité de l'autre chose. Et là, voilà. Vais te montrer comment faire dans Word. Voilà. Allez, je vais quand même montrer un dernier truc parce que c'est vrai que c'est pas con non plus. C'est, par exemple, si je veux faire un texte à trous, une boîte. Forme. Longue. Une autre donc là j'ai mon petit texte à trous alors ici je peux mettre une note. Alors, je viens de voir un truc qui est pas qui est... En fait, ici, on a un truc qui est pas bien, c'est que ben, la section continue, en fait. Et ça, j'aime pas. Voilà, de fait, j'ai dû faire plein d'espace pour enlever le pointé. Ok, donc ça, c'est un truc. Et aussi, on a vu, je peux aussi faire un plot. Et donc là, je peux choisir, ok, je veux une fonction, voilà. Donc vraiment, nous, ce serait plus du 4x carré, autre chose. Voilà. Donc plutôt mettre x carré sur 4, voilà. Bon, ça revient même. Enfin, ça revient même, non. On va mettre le carré dedans, voilà. On va enlever le carré. Voilà, pour avoir une belle parabole plus large. Et donc voilà. Donc là, on a notre graphique qu'on peut repositionner. Et là, ce que je voulais, c'est repositionner celui-ci. On peut changer le type d'axe. Enfin, voilà. Simple. Maintenant, dans Word, on va faire les deux expérimentations. Donc, une droite, mettre du texte ici. Alors, pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les taquets de tabulation. Là, on a, en haut à gauche, on voit qu'il est mis à cadrage à gauche. Ça veut dire que si je fais tab et que je tape, on voit que ça tape à droite. Donc, on commence du taquet et le texte va se développer vers la droite. Si j'avais mis un taquet cadré centré, par exemple, eh ben, le texte resterait centré par rapport au taquet. Et si on a mis le taquet comme ça, cadré à droite, ben, le texte se développerait vers la gauche du taquet. Okay. Donc ça, c'est une complexité en plus, mais bon, c'est bien parce que ça donne de la flexibilité.
Ok, on va mettre ça ici. Maintenant, on veut mettre les petits points ici pour le texte à trous. Là, on va aller dans les détails du paragraphe, dans Tabs, et on va choisir trois petits points. Et donc là, ben, du coup, on a notre trou, si on veut, qui est là. Et alors, on peut grandir et rapetisser le trou facilement. Donc ça, c'est un avantage dans Word. C'est un plus pour Word. Mais il faut savoir utiliser, il faut savoir où c'est, et ça a mis un peu plus de temps à le faire. Donc là, on a échangé en fait du temps contre une flexibilité. Maintenant, si je veux mettre un autre trou ici, blablabla, voilà, et je veux mettre un autre trou ici, bah c'est pareil. On va aller mettre un autre taquet. Voilà. Et on va aller, bah pareil, hein, on va aller dans Tabs. Et on va choisir cette fois-ci celui-là. Trois petits points. 7. OK. Et là, maintenant, on a notre deuxième trou. Voilà. Alors que ici, quand on est dans le texte à trous, en fait, chaque tabulation qu'on fait va être considérée comme étant du texte à trous. Et le cadrage est automatiquement vers la gauche. Donc, c'est-à-dire que le texte s'étend à droite. Voilà. Donc, beaucoup plus facile, évidemment, à créer des grandes sections. Hein. Et on peut tout changer d'un coup. Et on peut avoir l'option d'avoir aussi d'avoir carrément le line on text. Et ça, c'est utile parce que quand on fait le correctif, bah, on peut faire line on text. Puis, bah, certains préfèrent simplement ça. On peut changer directement la couleur. Voilà, c'est une autre possibilité. Par exemple, le mettre beaucoup plus clair, histoire que ce soit moins gênant. Ça peut être utile. Voilà. Alors que dans Word, je sais même pas comment le faire. Je sais que si je mets ça en couleur, forcément lui va se mettre en couleur. Et donc, si je mets ça en automatique, et que, ah ben voilà, et que je mets la tabulation en couleur, donc ça va, c'est logique. Donc là, en fait, je mets le tab en couleur. Et ça met les pointillés en couleur. Donc, il y a une logique. Mais là, on voit qu'on va devoir s'amuser à le faire pour chaque truc. Et si je veux remplacer ça, tout ça par des underscores, ben, je dois aller dans mon paragraphe, apps. Et là, je dois dire, OK. Donc, là, j'ai cliqué le nombre. Donc là, je clique le tab. Voilà. Et là, je vais choisir par exemple les tirets. Je vais faire 7. Et puis je vais cliquer celui-là, je vais mettre les tirets et je vais faire 7. Et donc là, bah, ah, ça va tirer comme ça. Et donc, bon. Ok, ça m'a mal vu. Donc là, je prends le underscore 7. Underscore 7. Et ok. Et donc là, on voit, voilà. Alors là, ici, déjà, on n'a pas l'option de mettre. Des dashed. On n'a que solide dans Word. Hein. On n'a que solide et dotted et barré, quoi. Alors ici, on n'a pas les au milieu, mais ça n'a pas de sens. Donc on a solide, dotted et dashed. Et dans Word, bah, on n'a pas le dashed. Et donc, du coup, bah, si on veut des dashed, c'est bon amusement, quoi. Voilà. Là, ce sont les options qu'on a. Donc, plus de flexibilité à certains, moins, etc. Enfin, parce que Word n'est pas fait pour ça, donc forcément, voilà. Ben voilà, je pense qu'avec ça, j'ai été assez fair-play sur les deux, et que j'ai assez bien montré comment on créait les fiches dans l'autre logiciel, comment on choisissait ce qu'on y mettait aussi, et comment on les structurait. Donc voilà, c'est un bon petit tour. J'espère que ça aidera quelqu'un. Avec ça,
va un peu démocratiser l'utilisation de la tech, hein, parce qu'ici j'ai utilisé du langage mathématique, plus pour faire tout ce qui est fraction et tout ça, du langage de la tech. Et voilà, dès qu'on a le coup de main, par exemple ici, si je veux faire un divisé, je peux taper backslash div et ça me donne un Nobel, donc le symbole de division. Alors, si je fais mul, bah, mul, bah, ici c'est times dans le texte, bah, là j'ai ce que j'appelle entre guillemets la croix de Saint-André et le symbole de multiplication. Si je veux plus minus, je fais PM. Là, ça me donne plus minus. Si je veux faire une matrice, je fais matrix. Et j'ai les différents types de matrices. Donc, voilà. Alors que dans Word, bah, il faut aller chercher. Alors après, il y a le oui, mais moi, je connais pas la tech, nanana. Ok. Alors du coup, on peut aller comme dans Word, cliquer. Et alors quand on voit le symbole majuscule, on peut appuyer sur la touche majuscule et ça va activer en fait une zone d'édition en plus. Alors on peut naviguer comme ça et voir un peu tout ce qui est possible. Vraiment tout un choix quoi, tout un répertoire visuel, vraiment comme dans Word. Et alors on peut aussi ok, ça c'est pour faire ses propres formules qui reviennent souvent, par exemple la calcul du delta, un truc comme ça. Et le drawing, bah, c'est, ah là là, je ne sais pas comment on fait. Hein. Et alors ici, je vois le D n'est pas là. En tout cas, il n'apparaît pas directement, il est probablement, ah bah non, même pas. Ok, donc c'est bien, il n'apparaît pas dans cette liste-là. Comment est-ce que je fais décimal? Donc, c'est-à-dire ça. Et ben là, hop, il se dit que c'est un P pour some raison. Ah, mais. Et donc, hop, on commence. Et je vais faire le D, poup. Voilà. Donc là, il voit que c'est un D. Est-ce qu'il voit le. Non. Ah, ben voilà, j'ai trouvé un bon exemple, je ne trouve pas. Donc, c'est pas mal. Donc là, il trouve que c'est parallèle, évidemment. Ah, là, ben voilà, c'est un cas où il trouve pas le D. Donc c'est pas 100% fiable. Alors, est-ce qu'on peut aller voir ici, le truc à faire, c'est taper D pour voir. Et il ne trouve pas du tout. On a le petit dé. Et ah, on a ce dé là, mais c'est pas vraiment le dé que j'ai envie. Et puis on a les autres dés pas mal. Ça, c'est pour les plans, tout ça. Mais il n'y a pas le dé math bébé. Donc il y a un peu d'apprentissage quand même. Ici, le symbole de base, lettre grecque. Il n'y aura pas les lettres non grecques. Ouais. Donc là, c'est un exemple où ça peut pas bien se passer. Alors ici, si on voit bien, on a par exemple, donc quand j'avais tapé D, on voit qu'on a mathbbp, mathbbr, mathcald, mathbbn, et donc, bah, par logique, on peut se dire que c'est mathbbd. Donc si on essaye mathbb, et là on voit tous les trucs, donc je vais ouvrir et je vais taper D. Ah, c'est parce qu'il ne le connaît pas. Et puis je fais fermer la salade. Qu'est-ce qu'il met à R, lui? Mathbb. Ah, je ne sais pas pourquoi mettre un R, mais. Donc si je fais matbb enter slash matbb et puis je tape D, bah. Et là, ce qui est marrant, c'est que matbb, il montre ABC, ABC, mais s'arrête à C. Donc du coup, on voit quand même pas le D, mais on voit que c'est ce type de lettre. Donc, voilà. Donc il faut parfois un peu chercher, mais c'est.
un peu la vie, mais une fois qu'on sait, bah, ça va beaucoup plus vite. Moi, quand j'ai fait tout à l'heure les décimaux, bah, je savais comment taper mon 2 directement, parce que j'avais déjà tapé N, Z, tout ça. Donc forcément, bah, c'est des choses qu'on retient très vite. Voilà. Et ça se conclut là-dessus. Donc, Matcha. Ça s'appelle Matcha. Il faut taper dans Google Matcha Editor. Et voilà. Mais l'important, c'était de voir comment structurer les fiches et où aller chercher les informations. Voilà. J'espère que ça a aidé quelqu'un et que tout le monde fera des belles fiches et ne recopiera pas les fiches que j'ai faites.